Le titre du message est « Hanouka et notre combat spirituel ». Hanouka et notre combat spirituel. Jean chapitre 10, on va commencer dans le verset 22 et on va lire un grand texte jusqu'à la fin de verset 42. Ok, Jean 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, entre guillemets, c'est la fête de Hanouka. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes. » Et cela parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Verset 39. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la puissance de la parole. Libère sur chacun, je te demande, l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Et nous le prions dans le nom qui est glorieux et au-dessus de tous les autres, le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Amen. Alors, ce que j'aimerais faire dans le peu de temps qui me reste, c'est trois choses. D'abord, j'aimerais expliquer un petit peu ce qui est la fête d'Hanouka. Deuxième, j'aimerais parler un petit peu de ce qui est notre combat de foi, de la foi. Et puis finalement, j'aimerais vous assurer de la victoire qui est inévitable. Amen. Amen. Déjà, Hanouka. Hanouka est une fête qui commence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On appelle ça une fête intertestamentaire. Voilà. Maintenant, vous pouvez impressionner vos amis avec ce terme. Et la seule référence à cette fête se trouve dans Jean chapitre 10, dans notre Bible. Et nous venons le lire. En gros, pour ceux qui connaissent leur histoire, vous vous souvenez, l'Empire grec, Alexandre le Grand, ok. Alors, Alexandre le Grand, il renverse l'Empire perse et il étend son empire jusqu'à la Chine, quasiment. Et c'était peu de temps après avoir revenu, il a fait de sa capitale Babylone, qu'il est mort. Et son empire était divisé en quatre morceaux.
et on, parmi les quatre généraux de ces armées. Donc, il y en avait un en Égypte, et puis un autre en ce qui est aujourd'hui la Turquie. Alors, les deux, ces deux généraux, ils ne s'aimaient pas du tout. Et ils s'entre-attaquaient constamment. À cette époque-là, tout ce qui était la Judaïque était sous la tutelle de l'Égypte. Et finalement, le général dans la Syrie a remporté la victoire contre le général en Égypte. Et il a pris possession de la Judaïque. Contraire aux Égyptiens, les Assyriens, ils détestaient les Juifs, mais vraiment à fond. Ils commencent vraiment à persécuter les Juifs, mais les Juifs résistent. Ils construisent des idoles par tous les villages, les Juifs viennent dans la nuit pour les casser, etc. Bon, c'était vraiment les problèmes totaux. Et puis finalement, le grand chef de la Syrie décide, voilà, j'en ai eu assez avec ces Juifs, on va vraiment faire de grandes choses. Donc, il arrive dans le temple, il profane le temple, il verse du sang du couchant dans le temple et il construit une grande idole, je crois, pour au roi Zeus, si je ne me trompe pas. Et donc, pendant quelques années, vraiment, il a dominé sévèrement. Là, on est quand même à peu près 160 ans, à peu près, avant Jésus-Christ. Et les Juifs commencent à mettre en place vraiment une résistance. Ils ne peuvent pas faire une attaque militaire de front parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient aucune arme, ils n'avaient aucune formation en tant que en militaire. Et contre une des armées la plus puissante du monde, voilà, ils n'avaient pas grande chance de remporter une victoire. Mais c'est les Juifs qui inventent le guérilla, les attaques stratégiques, les attaques dans la nuit, et ils commencent vraiment à gagner les petites victoires à droite et à gauche. Alors finalement, ils commencent à donner de l'espoir aux Juifs, que peut-être on peut avoir une victoire contre les Assyriens. Donc, le roi de la Syrie, il décide, oula, les choses commencent à tourner vraiment mal pour nous, il rassemble toute son armée, et là, il fait une énorme attaque, et vraiment un miracle, des miracles, les Juifs remportent la victoire, et cette armée est dévastée. Donc, il y avait une famille principale en Israël à l'époque qui s'appelait les Maccabées. Et ils sont devenus un petit peu les responsables de la reconstruction d'Israël. Et la première chose à faire, c'était la purification du temple. C'est pour ça que nous avons lu dans notre traduction qu'on appelait ça la fête de la dédicace, lorsqu'ils ont... Ils ont dédié à nouveau le temple à Dieu, la fête de la dédicace. Ils ont nettoyé le temple, et quand ils sont allés pour rallumer la menorah, qui est la lampe qui brûlait dans le temple, ils n'avaient que l'huile pour brûler pendant un jour. Or, c'était une menorah qui devait brûler dans le temple constamment. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un pas de foi. Ils disent, voilà, il faut minimum 8 jours pour fabriquer à nouveau d'huile. Le genre d'huile qu'il fallait pour la menorah. Mais quand même, ils prennent le peu d'huile qu'ils ont, ils mettent l'huile dans la menorah, ils l'allument et ça brûle miraculeusement pendant 8 jours. Et puis finalement, à la fin de ces 8 jours, ils amènent d'huile et la menorah continue à brûler. Et c'est pour ça qu'on appelle Hanouka aussi la fête de la lumière. C'est pour célébrer le miracle de cette provision miraculeuse. OK? Alors, à savoir que cette fête est toujours fêtée par les Juifs d'aujourd'hui. Et les chrétiens commencent à connaître cette fête.
Alors, il y a trois choses pour moi qui signifient la fête de Hanouka. Première chose, c'est vraiment la victoire contre les forces du monde. La victoire contre les forces de ce monde. Deux, la purification du lieu d'adoration. La purification du lieu d'adoration. Et puis trois, cette notion que la lumière brille au milieu des ténèbres. La lumière brille au milieu des ténèbres, car non seulement est-ce qu'Israël a trouvé sa liberté, mais Israël est devenu un exemple pour toutes les nations du monde. On n'est pas obligé d'accepter la tyrannie des autres. Amen. L'esclavage dans toutes ses formes est quelque chose de démoniaque et jamais quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Donc, maintenant, on voit Jésus qui se promène dans le temple pendant la fête de Hanouka. C'est très intéressant. Et tout cet échange dont nous venons de lire est vraiment parle d'une manière prophétique de ce que j'appelle l'esprit de Hanouka. Déjà, peut-être une première chose à retenir de ce texte, c'est le fait que Jésus fêtait Hanouka. Bon, Hanouka n'a pas le même poids, à mes yeux, des trois fêtes principales, des fêtes de l'Éternel. C'est-à-dire Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte ou Sukkot, Tabernacle. Ce sont la Bible appelle ça les trois fêtes de l'Éternel. Donc, comme l'Éternel c'est mon Dieu, les trois fêtes de l'Éternel sont mes fêtes à moi. Ce n'est pas une des trois fêtes de l'Éternel. Néanmoins, c'est une fête en Israël, une superbe fête. Alléluia. Mais vraiment une magnifique fête. Et c'est juste dommage, je trouve, ça fait quelques années depuis que Catherine et moi, on essaie vraiment à marquer ce temps de fête. Et ça nous apporte beaucoup de grâce. Et c'est ça ce que j'aimerais partager avec vous. Alors, Jésus a observé la fête. Il est mon Seigneur, j'aime Jésus, donc, tant que c'est biblique, je vais faire ce que fait Jésus. Amen. Donc, deuxième chose, on voit Jésus et la Bible nous raconte une confrontation dans le temple, qui est la maison de l'Éternel, lors de la fête. Déjà, on voit que les Juifs qui l'entourent ne sont pas comme Marie, qui, la Bible dit, elle s'assit aux pieds de Jésus pour recevoir sa parole. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même esprit, n'est-ce pas? Ces Juifs-là, ils entourent Jésus déjà avec une idée en tête. On va le tuer. On aura sa peau. Et là, il se présente le jour de la fête, qui est extraordinaire, parce qu'en plus, probablement, c'était un jour de Shabbat. OK? C'est pour ça qu'ils étaient dans le temple et pas au boulot. En tout cas, il l'entoure et là, il commence j'aime bien ce qu'ils disent. Mais si tu es le Messie, si tu es le Christ, mais dis-le franchement. Dis-le clairement, que tu t'expliques. J'aime bien ça. Mais tu vois, Jésus, il a vu avec ses commentaires un piège. Il a refusé de tomber dans le piège. Combien de fois les gens viennent avec vraiment un esprit antagoniste et on tombe tout de suite dans le piège, et on entre dans un débat, dans un argument, on essaie vraiment à se défendre avec des armes charnelles. Et on ne fait pas le constat, là on est dans un combat spirituel. Ce n'est pas juste des gens curieux qui ont entendu un bruit et qui viennent vraiment dans un cœur sincère pour demander une explication. Je dis toujours, une bonne question, toute question est bonne tant que ça provient d'un cœur qui est bon. Amen. Tu vois?
Quand tu fais le comparaison entre les questions qu'a posées Marie suite à la visitation de Gabriel et avec les questions qu'a posées Zacharie, le futur papa de Jean-Baptiste, à Gabriel, c'est extraordinaire, c'est une bonne étude, vu qu'on s'approche du 25 décembre, c'est une bonne étude de faire. Comparer les deux. Parce que l'ange, quand il, par rapport aux questions de Zacharie, il a dit, bon, il va falloir qu'on agisse, sinon il va vraiment saccager le plan de Dieu. Donc tu ne parleras plus jusqu'à la naissance. Il n'y a que du doute et de l'incrédulité qui sort de cette bouche-là. Donc, pouf! Tandis que Marie, quand tu regardes à ces questions, tu dis, mais à la surface, vraiment, quelle est la différence entre les questions qu'a posées Marie et les questions qu'a posées Zacharie? Mais en fait, la différence n'est pas forcément dans les paroles, mais dans le cœur. Marie, son attitude était que cela me soit fait selon ta parole. Zacharie n'a jamais dit une telle chose. C'était, mais il faut prouver que tu peux le faire, tu vois, c'est... OK? Donc, tant que la question est bonne, tant que le cœur est bon. Jésus répond, j'aime bien sa réponse. Déjà, il ne tombe pas dans le piège. Il n'essaie pas de s'expliquer. « Oh les gars, excuse-moi si j'ai mal dit, parce que c'est vrai que je comprends que ben, vous êtes vraiment des débutants et ok, voilà, c'est parfois un peu complexe. Même moi, Trinité, j'ai du mal à même moi comprendre. » Non, quand même. Alors, non, ce n'était pas ça la réponse de Jésus. Jésus ne cherchait pas à être le gars gentil. Il regarde à ces gens qui l'entourent et il voit déjà la haine dans les yeux. Bah ça, et il n'est pas du tout intimidé. Il dit trois choses. Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Déjà, Jésus, il dit en quelque sorte, de toute manière, les gars, vous ne pouvez pas croire. Même, je peux le dire et le redire milliers de fois, et vous ne pourrez pas croire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Mes amis, il y a des. Ce n'est pas ton travail de convaincre les autres. Amen. Tu présentes ce dont tu es témoin. C'est tout. Tu es un témoin, pas un avocat. Amen. C'est Jésus l'avocat. Et si Jésus ne peut pas changer le cœur, tu penses pouvoir réussir là où Jésus ne peut pas? Hello! Vous savez que même les gens qui viennent au culte, hein, tout le monde ne veut pas être changé. Je ne regarde à personne, je ne veux pas que tu penses que je pense à toi. Je ne pense à personne en particulier. Mais tout le monde qui vient ne veut pas forcément changer. Il veut que son environnement change. Oui, tout le monde aimerait un environnement plus aisé, n'est-ce pas? Mais se changer soi-même, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ils aimeraient que toi, tu changes. Amen. Deux, Jésus dit, vous n'entendez pas ma voix. Mes brebis entendent ma voix, mais vous n'êtes pas de mes brebis, donc vous n'entendez pas ma voix. Vous m'écoutez, mais vous n'entendez pas. La Bible dit, vous avez des oreilles, mais vous êtes incapables d'entendre. C'est incroyable. Et mes amis, il y a énormément de gens comme ça. Malheur, celui qui vient, et j'étais dans cette catégorie de personnes, c'est comme ça que je peux en parler, mais tu vois, la personne qui vient et qui dit, waouh. Et il regarde à gauche, le gars, il dit, waouh, quelle révélation. Il regarde à droite, waouh, quelle révélation, waouh, Dieu me parle. Et lui, il dit, mais pff, je n'entends rien. Que Dieu touche le cœur. Amen. Tout revient à la condition du cœur. Si le cœur est bien disposé, on entend. Amen. Alléluia.
Même j'ai assisté aux réunions là où vraiment, bon, c'était un peu maigre en révélation, il faut dire. C'était vraiment maigre en révélation et maigre en nourriture. Beaucoup de bonbons, mais très peu de viande. Et en sortant, j'entends parfois les gens dire « Oh là là, c'était nul ce message, oh là 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 là, Seigneur, je ne reçois rien ici. » Je dis « Mais Seigneur, même s'il y a juste un tout petit morceau de pain qui tombe de ta table, je l'aurai. » Amen. Je ne quitterai pas le lieu sans avoir reçu mon pain quotidien. Amen. Amen. Alors que nous ne soyons jamais parmi ceux qui a des oreilles mais qui n'entendent pas. Amen. Et puis Jésus, la troisième chose, il lui dit, vous ne me suivez pas. Donc, vous n'êtes pas de mes brebis, vous n'entendez pas ma voix et vous ne me suivez pas. Et à la fin, il dit, au moins les gars, vous pouvez faire un constat, les œuvres. Vous n'allez pas me suivre à cause de ma voix, parce que vous avez une révélation, mais au moins regardez les œuvres que je fais. Et croyez en mon Père à cause des œuvres. Ça doit être notre défense aussi, mes amis. Pouvoir dire aux autres, de pouvoir dire aux autres, écoutez, même si mon témoignage n'est pas convaincant, mais au moins regarde ma vie. Regarde comment Dieu m'a changé. Regarde les miracles que Dieu a fait pour moi. Au moins, crois à cause des œuvres. Et laisse les œuvres former ta défense. Maintenant, si vos œuvres sont mauvaises, vous n'avez pas de défense. Il faut grandir dans le Seigneur. Amen. OK? Il n'y a pas de condamnation, mais parfois on est jeune dans la foi, on a fait des erreurs en tant que chrétien. Mais la raison pour laquelle il est important d'accumuler les bonnes œuvres, mes amis, c'est parce que Dieu se glorifie à travers notre vie. Et notre vie devient notre défense. Une défense crédible. Et c'est important. Parce que si on n'a pas une défense crédible, comment voulez-vous que les autres croient à ton message? Amen. Souvent, mes amis, le message n'est pas mieux que le messager. Amen ou oulala. C'est pour ça que Dieu, il prend autant de peine à travailler dans ta vie. Et même parfois durement. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il construit en toi une trophée de sa grâce. Tu es sa médaille d'or. Mais tant que tu es couvert de la boue du monde, personne ne verra que tu brilles de sa gloire. Donc, il est là, il frotte. Et parfois, la brosse est dure. Hello! Je parle vrai ou je parle faux? OK? La brosse est dure. Et parfois, il te plonge dans l'eau de Javel pour vraiment bien frotter. Et tu dis, mais oh, Seigneur, ça fait mal. Oui, mais je veux, mon enfant, que tu brilles dans Amen. Le monde. Amen. Que tu brilles. Amen. Alléluia. Ce qui est intéressant dans les Écritures, il est vrai que quelqu'un qui se déclare divin, il est coupable de la blasphème. Et la loi de la parole oblige qu'un tel soit lapidé à mort. Vous voyez, donc dans un sens, les Juifs, dans leur questionnement, ils n'avaient pas complètement tort. Car Jésus, nous le savons, il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Bon, il y a des aspects de la Trinité, j'ai honnêtement du mal à comprendre. Même des gens beaucoup plus intelligents que moi, et ça, c'est pas très dur, ils ont du mal à comprendre la Trinité. On peut l'expliquer, mais le comprendre, c'est autre chose. Vous me suivez, donc. Mais Jésus était parfaitement un avec le Père. Amen. Parfaitement.
Jésus était divin. La Bible dit toute la plénitude de la divinité demeurait en lui. Il s'est dépouillé, la Bible dit en Philippiens, il s'est dépouillé du nom divin et des capacités divines lorsqu'il a pour nous montrer comment nous pouvons marcher avec Dieu. Mais au niveau de sa nature, il ne pouvait pas divorcer ce qu'il est. Je ne comprends pas comment, mais il était 100% homme et 100% Dieu. En même temps, bien évidemment, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et selon la lettre de la loi, les Juifs n'avaient pas complètement tort. Et j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai déjà raconté ça plusieurs reprises, mais juste brièvement. Une fois, je suis passé dans un temps très difficile et quelqu'un qui me critiquait très fortement. Et je me plaignais. Je faisais une petite fête de pitié de moi-même. Donc, j'ai invité plein d'amis, mais ils ne voulaient pas venir. Donc, voilà. Il y a des gens qui font des fêtes d'anniversaire. Moi, je fais des fêtes de pitié de soi. Donc, ben, vous le faites aussi. Hein? Ne me regardez pas comme ça. Et je me plaignais auprès de Dieu. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas juste. Je fais que te servir. Patati, patata. Vous dites jamais des choses pareilles? Non, ne me regardez pas comme ça. Et vous savez, le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, mon fils, le diable n'a pas besoin de mentir quand il t'accuse devant moi. Encore une fois. Le diable n'a pas besoin de mentir quand il t'accuse devant moi. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à ce qui est la vérité. Parce qu'on peut raconter des faits d'une manière exacte et correcte sans dire la vérité. Et c'est ça ce que fait le diable. Le diable est un menteur, on est bien clair. Mais lorsqu'il voit Jésus dans la terre, il le met sur le haut du temple et il dit « Jette-toi » parce que la parole dit « Même les anges te protégera. » Est-ce qu'il a dit ce qui est vrai, ce qui est d'un point de vue des faits bibliques? Est-ce qu'il a dit ce qui est exact? Dans ses propos, il était correct. Mais néanmoins, c'était un mensonge. OK? Parce que son objectif était de faire en sorte que Jésus pèche contre son Père. Et c'est là où il est rusé. Il n'est pas intelligent, mais il est rusé. Il prend quelque chose qui, par rapport à toi, d'un point de vue des faits, tu as fait quelque chose, ou tu as dit, tu as pensé, tu vois, et il le dit devant le Père en disant, voilà, tu ne peux pas le bénir. Parce que regarde ce qu'il a dit, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a pensé. Ce qu'il dit est correct d'une manière. Mais son objectif est de faire en sorte que Dieu triche contre son alliance qu'il a fait avec Jésus à ton égard. Amen. C'est pour ça que ce qu'il raconte devant Dieu est un mensonge. Il n'est pas capable à annoncer la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Quoi que tu as fait, Dieu t'a racheté par le sang de Jésus-Christ. Il t'a pardonné et il t'a lavé de toute iniquité. C'est ça la vérité de Dieu. Et ça, tu ne l'entendrais jamais de sa bouche. Jamais de sa bouche. Alléluia. Donc, c'est pour ça que ce texte, et on va pas plonger dans tout ce que Jésus a dit, mais Jésus, il prend les textes bibliques, il le met devant ses accusateurs pour démontrer leur hypocrisie, pour révéler finalement qu'ils étaient entre les mains du menteur, entre les mains de l'accusateur, et que Jésus n'avait rien à voir avec ça. Alors, et j'adore trop ça, je sais, il faut que je termine, mais j'aime trop la fin de cette histoire.
un nouveau compte. Ils entendent tout ça. Oh là là, ils sont en rage, les gens. Ils sont hors d'eux-mêmes. C'est pour moi, hein, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est comme si les démons les saisissent. Ah, ils commencent à se grincer les dents. Oh, on va le tuer. Et la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas toucher Jésus. Jésus passe, pouf. Et il s'en alla. Ah, j'adore ça. Il s'en alla, tranquillement. Et il se retrouve où? Il se retrouve dans le lieu où Jean-Baptiste a commencé à faire les baptêmes. Et la Bible dit, et c'est ça ce qui est merveilleux, et pour moi qui évoque la notion de ce qui est Hanouka. Beaucoup vinrent auprès de lui. Et beaucoup crurent en lui. Tu vois, c'est quand on est face à des difficultés qui sont insurmontables, qui met au risque la mission qu'on a reçue de Dieu, qui menace notre capacité d'accomplir la chose pour laquelle Dieu nous a mis sur la terre. Et malgré tout ça, Dieu nous ouvre une porte pour s'échapper et on arrive à l'accomplissement de sa promesse. La victoire est assurée. Oui. Alléluia. Amen. Et c'est ça la bénédiction de la fête de Hanouka. C'est le fait que contre toutes les chances, toutes les possibilités, le monde, il arrive avec toutes ses armées. Et toi, tu es là avec quelques paysans qui ont des fourchettes et des petits bâtons. Et tu dis, mais comment on va faire contre les chars, contre les chevaux, contre les éléphants même qu'ils avaient importés de l'Inde? Comment on va faire contre une armée si féroce? Ben Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, quel est notre combat? Paul, il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et encore, en Éphésiens, Paul y dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Mes amis, il y a des choses, la vie des gens, honnêtement, soyons honnêtes, la vie des gens, toute seule, est difficile. Mais tout dans la vie n'est pas un combat spirituel. L'hausse du prix du carburant, ce n'est pas spirituel. Vous comprenez? Tu ne peux pas chasser le diable quand tu fais le plein. Bon, tu peux essayer, mais le prix restera exactement pareil. Je connais un gars qui a prié, qui a imposé sa main sur le tableau de bord quand il montrait que le réservoir était vide. Il a dit, au nom de Jésus, sois rempli. Il a vu le truc qui a commencé à bouger. Il a fait à peu près un quart de réservoir de plus. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein. Chacun son témoignage. OK. Mais comment savoir qu'on est vraiment dans un combat spirituel? Juste très rapidement. Comment savoir qu'on est vraiment dans un combat? Déjà, tu vas sentir une pression intérieure démesurée. Une pression intérieure démesurée. C'est-à-dire que, OK, tu fais le plein, tu dis, oh non, ce n'est pas possible, on ne va pas manger cette semaine. Mais ce n'est pas forcément une pression démesurée. Démesurée, c'est, par exemple, quelqu'un te dit un mot et tu n'arrives pas, quoi que tu fais, tu n'arrives pas à lâcher ce mot. Ça te tourne dans la tête pendant des jours, ça te ronge à l'intérieur et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai entendu des choses pires que ça, ça ne m'a jamais affecté, mais là, cette fois-ci, ça m'affecte. Combien vous comprenez, vous suivez un petit peu? En fait, il faut avoir comme une bonne un thermomètre dans ton homme intérieur.
Parce que parfois, bon, il y a toujours deux tendances. La première tendance, c'est de croire que tout est du diable. Toute chose négative vient du diable. Et on donne trop de crédit au diable. Hello. Là, il a plu dans la nuit. Ce n'était pas le diable qui a envoyé la pluie. OK. Pas forcément. Voilà. Même la tempête au milieu du lac de Galilée, quand Jésus vient marchant sur l'eau, Jésus n'a jamais dit, « Ah, ce n'est que le diable qui fait ça. » Non, il a parlé aux vagues, il n'a pas parlé au diable. On a l'autorité aussi sur les éléments. Amen. Donc, tout ne vient pas du diable, mais quand tu commences à sentir qu'il y a vraiment une pression intérieure, et tu dis, « Mais par rapport à ce que je vis, cette pression est démesurée. C'est une bonne indication que tu es vraiment au milieu d'une attaque spirituelle. Le diable, il profite de tes circonstances, même s'il n'est pas créé les circonstances, mais il en profite pour vraiment mettre un doute, une fatigue, une pression. Quand tu es dans un dialogue qui tourne au vinaigre et tu dis, mais je ne comprends pas, mais pourquoi j'ai aucune raison de faire une dispute avec tel et tel, mais que se passe-t-il? Et pourquoi il y a cette friction qui monte? Il n'y a aucune raison logique pour la montée de cette friction. Alors, c'est probablement un combat. Prends ta position en tant qu'enfant de Dieu et mets le diable sous tes pieds. Une autre indication. Quand tu entends un mensonge ou là où le mensonge n'existe pas. Ça, c'est classique. Quand tu entends un mensonge là où le mensonge n'existe pas. Tu as une discussion avec quelqu'un et tu entends tout à l'heure qu'il a rompu son amitié avec toi ou il a quitté l'église ou ceci, cela. Tu dis, mais waouh, que se passe-t-il? Oui, parce que tu m'as dit. Et tu dis, bah, attends, on a discuté sur le sujet, mais je n'ai jamais dit ça. La personne a entendu un mensonge là où le mensonge n'existait pas. Et quand toi, tu crois un mensonge provenant de quelqu'un, et peut-être il y a eu une discussion, mais la personne n'a pas vraiment dit ce que tu as cru. C'est une bonne indication que tu es vraiment plein au milieu d'un combat spirituel. Et là, tu as affaire maintenant, non pas avec un frère ou une sœur en crise, tu as affaire avec le diable, le menteur. C'est tellement commun, on ne se rend pas compte à quel point le diable il est là pour chuchoter dans l'oreille. Ah, tu vois ce frère, tu vois cette sœur, voilà ce qu'il pense vraiment de toi. Il tord les mots, il te fait croire certaines choses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas vraies. 3, ça c'est grand, tu es tenté de mettre la blâme sur Dieu. Quand au fond du cœur, tu commences à dire, mais Seigneur, franchement, tu n'es pas très juste pour moi. Là, c'était bon pour moi, alors quand tu commences à avoir ce genre de pensée, mes amis, ça c'est un combat spirituel. Tu as affaire maintenant pas avec les circonstances, tu as affaire avec le diable. Reconnais que c'est un combat. Plusieurs, combien de fois on tombe dans le piège des combats et on ne le voit même pas. Ouvrant les yeux. Et puis 4, et je finis. Ça, c'est classique. Quand tu veux, quand ton réflexe, c'est de te retirer des autres. T'isoler. Couper le pont. Prendre un retrait. Prendre de recul. Là, tu as affaire avec le diable. Tu as le diable en face de toi. La Bible dit, celui qui se retire ne cherche que ses propres intérêts. On ne cherche pas les intérêts de Dieu. Quand il y a au fond de toi ce réflexe, si c'est comme ça, je m'en vais. Là, tu es dans un combat. Ouvre les yeux. Ne jette pas à la poubelle ton destin. Parce que tu n'as pas reconnu que tu avais affaire avec le diable. Alléluia. On est dans la fête de Hanouka. Il y a pour chacun de nous une victoire assurée. Levez-vous, s'il vous plaît.
Il y a une victoire assurée. J'ai amené mon Anoukia. Wow, il faut vraiment que je finisse, désolé. Alors, tout le monde peut fêter Anouka. Tu peux mettre ça ici, s'il te plaît, pour que les caméras puissent le voir. Merci. Merci, Médric. Alors, voilà une Anoukia. Quelle est la différence entre une menorah et une Anoukia? OK? Comptons les branches. Hein? Et sur une menorah, il y en a combien? Les sept. Pourquoi? Parce que ça part des sept esprits de Dieu, selon Ésaïe le prophète. Alors, il y en a neuf. Pourquoi? Parce que celui au centre, bon, parfois c'est sur le droit ou sur la gauche, mais c'est toujours le bougie qui est le plus élevé. On appelle ça le serviteur. Que la lumière soit. OK. Ça s'appelle le serviteur parce qu'il va servir les autres. OK. Alors, le premier jour, il y a huit jours pendant la fête d'Hanouka. Ça commence ce soir au coucher de soleil. OK. Et ce qu'on fait, on commence et on allume une bougie par jour. Donc, ce soir, on allume une bougie et c'est tout. Et on laisse brûler la bougie jusqu'en bas. Demain, on va allumer deux. Le troisième jour, on va allumer trois. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de bougies. Parce que dans la soirée, tu laisses brûler les bougies jusqu'au bout. Donc, il faut les remplacer le lendemain, bien entendu. À moins que tu imposes les mains et Dieu miraculeusement regrandit la bougie. OK? Et par la suite, jusqu'à ce que le huitième jour, il y a tous les neuf bougies allumées. Ça fait vraiment joli. OK? Alors, quand Catherine et moi, nous le faisons, c'est toujours au début du repas. Et on prend juste un temps de remercier Dieu pour la victoire qu'il nous a donnée au milieu de nos épreuves. C'est vraiment un temps de se rappeler de la fidélité de Dieu, malgré le fait qu'on est souvent dans les épreuves. Et c'est vraiment un temps fabuleux. Vous pouvez échanger les cadeaux, mais encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est de se souvenir de ce que Dieu a fait. Amen. Et de se rappeler de ses promesses par rapport à ce qu'il compte faire maintenant. Alléluia. Il est fidèle. Et il est fidèle envers chacun de nous. Alléluia, prions. Alléluia, si je peux voir les membres des équipes de prière, s'il vous plaît. Alléluia, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta fidélité en toutes choses, en toutes circonstances. Tu es fidèle, Seigneur. Et parfois, on se trouve dans des combats et on voit même pas qu'on est dans un combat spirituel. On pense que c'est juste le courant de la vie normale. Et je te demande vraiment pour tous nos frères et sœurs que tu nous rends sensibles à cette réalité spirituelle autour de nous. Alléluia. Afin qu'en chaque situation, en chaque combat spirituel, nous puissions saisir les armes spirituelles que tu nous as données en Jésus-Christ. Alléluia. Afin de mener un bon combat, le bon combat de la foi, jusqu'à cette victoire assurée. Alléluia. Maintenant, Père, je prie pour mes frères et sœurs qui se trouvent aujourd'hui au milieu d'un combat. Peut-être que tu étais dans un combat, tu ne le voyais même pas comme ça. Peut-être que tu as remis entre les mains du diable une petite victoire. Une bataille perdue n'est pas une guerre perdue. La guerre, c'est déjà gagné. On est juste dans les dernières batailles. Alléluia. Donc, ne t'inquiète pas si tu donnes au diable une petite victoire dans une bataille, mes amis, il y en a d'autres. Alléluia. D'autres que tu vas remporter au nom de Jésus. Mais il faut juste décider maintenant que tu vas vivre la vie d'un soldat. Tu es participant dans ce combat.
et pas spectateur. Alléluia. Je prie, Seigneur Dieu, pour mes frères et sœurs qui étaient blessés dans les combats, qui ont pris des coups inutiles. Ils en souffrent aujourd'hui. Seigneur, que tu les touches, que tu les restaures, que tu leur donnes du courage à se relever, Seigneur, et à prendre à nouveau les armes spirituelles au nom de Jésus. Que tu les fortifies, Papa. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, pour qu'ils soient des bons soldats, des bons combattants au nom de Jésus-Christ. Et si c'est toi, si aujourd'hui tu dis oui, maintenant je vois, j'étais dans un combat spirituel, je ne l'ai pas vu et j'ai pris des coups et j'en souffre encore. Dans un instant, je vais vous laisser venir et prier avec un responsable. C'est tellement, tellement nécessaire aujourd'hui de partir de ce lieu pour pouvoir entrer pleinement dans l'espoir de la victoire promise. C'est ça la fête d'Hanouka. Alléluia. Seigneur, pour ceux et celles qui se préparent maintenant pour la prochaine bataille, alléluia, aiguise nos armes, Seigneur. Aide-nous de bien préparer nos armes, notre armure dans le Seigneur, pour que lors du prochain combat, on soit prêt, on soit vigilant, on ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. Alléluia, je bénis mes frères et sœurs aujourd'hui, Seigneur. Je les bénis, que tu souffles l'esprit d'espoir dans le cœur de chacun. La victoire est assurée au nom puissant de Jésus. Alléluia.